Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons apprendre comment créer un article de blog avec Bottom. Alors, il est très important quand vous finissez de créer votre blog ou bien votre site web, que peu importe si c'est un site e-commerce ou bien un site d'entreprise, de produire des articles de blog pour pouvoir attirer du trafic. C'est en créant des articles de blog que les gens seront intéressés par votre thématique et pourront visiter votre site web. Donc là, nous allons apprendre comment mettre en ligne un article tout simplement. Pour venir dans la partie contenu, donc c'est cette partie également qui vous permet de créer des pages. Donc vous allez venir dans le sous-onglet article, vous faites nouvel article. Vous faites nouvel article, ici vous avez la possibilité en fait d'ajouter le titre de l'article. Vous allez cliquer également sur réglage pour pouvoir voir d'autres parties disponibles. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans Word pour voir l'article en fait qui est disponible que je veux publier. Donc moi, c'est cet article qui m'intéresse à publier. Donc j'ai écrit un article sur comment les créatifs professionnels 10 conseils pour tirer en fait le meilleur de 2021. Donc ça, c'est le titre de mon article. Je vais copier. Je copie. Je viens dans. Donc j'ajoute ça comme le titre de mon article. Donc catégorie. Donc si je veux, je peux mettre en fait mon article dans une catégorie. Donc je vais faire catégorie créatif. Parce que si j'ai un blog qui a plusieurs catégories, ça me permettra en fait de pouvoir rapidement retrouver en fait mes articles. Ici, ce sera le lien de l'article, c'est-à-dire l'URL de l'article. Donc c'est très important de mettre quelque chose d'assez simple qui va permettre en fait aux gens de visiter facilement l'URL et qui ne sera pas compliqué pour qu'il n'y ait pas des 0,0 mais des HH dedans. Donc ici, je vais mettre viens ici et j'ai la possibilité en fait d'ajouter cette partie-là. J'ajoute en fait mon test à ce niveau-là. Il faudrait que je revienne dans mon article. Je vais tout sélectionner. Je sélectionne tous les éléments de mon article. Ici, je reviens dans mon éditeur et je copie. Je colle tout. Donc, tout ce que j'ai copié là-bas, j'ai collé ça ici. Et je crois que j'ai en fait un article assez complet déjà. Donc là, je vais voir en fait les petits détails que je peux corriger. S'il y a trop d'espace quelque part, je peux essayer de revoir ça. Voilà, ça, ce sont les titres principaux, les titres principaux, les titres principaux de mon article. C'est ça qui sont les titres en fait qui sont en gras. Si vous voulez changer en format, le format du titre, vous venez juste en style et définissez en fait le format. Donc, ici, ce sont les titres de. Je vais les mettre en titre 2. Donc, chaque partie en fait qui est en gras comme ça, voilà, j'essaie de mettre ça en titre 2 ici de suite. Donc je vais essayer de faire la même chose pour chaque titre en fait qui est dans mon article 2. Tout ça plus correspondre, répondre en fait aux attentes de Google. Donc c'est très important de faire ça comme ça. Donc les titres de deuxième niveau qui sont dans votre article, le titre principal de votre article, c'est le premier titre. Donc ça, c'est le titre de premier niveau. Le titre de deuxième niveau, en fait, c'est ça, ce sont les titres 2. Donc là, vous allez mettre titre 2. Donc, tous les titres de deuxième niveau doivent être des titres 2. J'essaie de faire, en fait, la même chose pour tous les titres 2. Voilà. Hein? Donc, je fais ça comme ça. Et ainsi de suite. Donc, je vais essayer de tout revoir comme ça. Et qu'est-ce qui manque maintenant à mon article? Je dois en fait ajouter au moins une image. Donc, pour ajouter une image, je peux décider en fait de mettre l'image ici. Donc, je vais faire l'image. Je sélectionne en fait et je mets en fait cette image. L'image va venir directement en fait dans l'article. Donc, si dans le test, je veux en fait insérer en fait une autre image dans mon article, je peux tout simplement venir ici par exemple. Si je veux ajouter une image ici. Juste l'image, sélection et j'ajoute l'image. C'est très important en fait de renommer l'image pour que ça puisse être à l'article en fait d'être référencé. Voilà, c'est tout fait. Et je reviens ici, je vois que tout est correct, je peux relire mon article si je veux. Donc, si vous avez par exemple envie de mettre des parties en gras dans votre test, vous pouvez tout simplement sélectionner la partie que vous voulez mettre en gras. Mettre en gras, vous avez la possibilité de changer la police.
Voilà, donc à peu près tout ce que vous pouvez faire en fait en mettant en fait un article en lien avec votre entreprise. Il y a à peu près d'éléments en fait qui sont disponibles ici. Vous avez la possibilité par exemple d'ajouter en fait un tableau de Google Docs. Donc il y a beaucoup de possibilités que vous avez. Donc vous voyez, donc, là il y a un tableau que j'ai ajouté directement dans Google Docs et tout. Des possibilités même que vous n'avez pas avec tous les éditeurs en fait, qui existent. Donc, essayez vraiment d'en profiter. Familiarisez-vous autant que possible avec cela. Et vous allez voir que ça vous permet en fait de faire absolument tout. Donc, quand je finis de faire ça, je dois enregistrer. N'oubliez pas d'enregistrer. Et vous enregistrez, vous publiez. Voilà. Donc, est bien publié. Donc, quand c'est publié, je peux faire retour. Donc, quand je fais voir, je peux voir en fait mon article. Voilà. Donc, mon article est déjà en ligne. Voilà. Ça dit que c'est un article de blog qui se trouve dans la catégorie créatif. Voilà le titre. C'est publié le 17 septembre. Et voilà le contenu que j'ai ajouté qui est là directement. Et de suite, l'image que j'ai ajoutée qui est là. Donc, j'ai la possibilité également de partager. Donc, quand j'ai tout sur Facebook, ça va automatiquement partager ça sur ma page Facebook. Et si je viens ici, je peux copier le lien de mon article et pouvoir en fait publier ça sur les réseaux sociaux. Donc, voilà comment vous pouvez publier votre article avec le temps. C'est assez simple, c'est assez facile. Donc, essayez vraiment juste de vous habituer avec ça. Il y a tous les éléments qui sont disponibles avec le temps. Vous pouvez personnaliser autant que vous voulez. Si vous avez besoin d'autres vidéos sur la personnalisation du site ou sur la création du site avec le temps, suivez les autres vidéos disponibles sur la chaîne. Vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Voyez dans la description, vous avez la possibilité de rejoindre notre communauté Telegram pour pouvoir poser des questions et avoir des réponses à cela. À bientôt.